Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle extension. Je dirais même plus l'histoire vivante saison 4 de Guild Wars 2 qui se nomme Hob. Et en se connectant comme d'habitude, on a cette petite étoile qui nous dit comme quoi il y a une nouvelle histoire vivante 2 disponible. On va voir la chronique directement. Alors il faut, je pense, avoir Pass of Fire pour pouvoir y jouer. Et du coup, on va directement aller sur l'épisode. Hey commandant, ici Timmy, avec Ridlock. Faites coucou Ridlock. Salut. Ridlock a rassemblé nos provisions et j'ai presque fini de préparer Pete pour le désert. Alors, dès que vous serez prêt à partir chercher Oren, retrouvez-nous à une ferme de Doliac à l'extérieur d'Amnoun. Cette fois, c'était de la chance. Ça va pas durer pour toujours. Ok, donc voilà, donc on a le point de rendez-vous, et en plus de ça, on avait reçu deux petits courriers, dont un, je sais pas pourquoi, parce que j'ai rien acheté, aussi les objets achetés, merci de votre aide, j'en sais rien, j'ai rien acheté, mais j'ai reçu le courrier, apparemment je suis pas tout seul, il y en a beaucoup de ma guilde qui l'ont reçu également, mais aussi un petit message comme quoi il y a une attaque venant de l'Outre-Monde. L'Outre-Monde existe depuis Guild Wars 1. C'était une zone unit assez farmée, et là je pense que c'est un nouveau raid. Ouais, je pense que c'est un raid. Ou peut-être, qui sait, un donjon, mais je pense pas. Donc c'est le passage de l'Ornar. Le passage de l'Ornar, c'est là juste ici. Je pense pas que j'ai la porte déjà débloquée. Non, à première vue, non. Mais c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. S'il y a possibilité, je vous le ferai en vidéo, hein. On verra bien. Du coup, ici, on devait aller au passage d'Amnoun au sud. Voilà, on doit aller ici. Est-ce qu'il y a un TP à proximité? Il y a que dalle. Bon, on va aller là. Ça sera le plus simple. Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut avoir Pass of Fire pour avoir accès... Du coup, bah, c'est même pas je pense, parce que vu qu'on est dans l'OS de cristal, donc ouais, il faut Path of Fire pour, du coup, débuter et faire l'histoire vivante saison 4 de Guild Wars 2. Bah, si vous n'avez pas encore le jeu, tout le lien sur la description, hein, comme d'habitude. Petite pub au passage. Alors, ici, on va pas prendre le griffon, on va prendre le Rapture. Il y a un bug de son, j'ai pas de son... Waouh, je traverse les portes, c'est trop bien. Putain, ça charge pas tous les graphismes et tout. J'y vais à l'aveuglette, là, laisse tomber. Alors, c'est là-bas. Mais il me semblait qu'il y avait un TP pas loin, pourtant. Heureusement qu'on va vite avec les raptors et tout, parce que putain... Imagine, tu seras obligé de tout traverser les maps à pied. Hein. En tout cas, ils ont bien incrusté les montures dans Guild Wars 2. Du coup, on était pas trop sceptiques par rapport aux montures dans le jeu. Mais au final, ça va, c'est... Ça a été plutôt bien intégré. Œil de la stigma tempête. Donc ça, c'est ce qu'on voyait en fait dans... dans la fin de Pass of Fire. Quand, en gros, tout le pouvoir de la map a éclaté en... Je suis là, quand le dragon a utilisé, enfin, a récupéré tous les pouvoirs de Balthazar. La gentille Toff s'est dit qu'il valait mieux se faire discret. Ah, vous voilà. Je termine quelques réglages sur Piteux et nous serons prêts à passer à l'action. Nous devrions contacter Jory et Casimir pour voir si elles ont réussi à rattraper Kralkatorik. Elles m'ont déjà contacté. Kralkatorik se terre dans des montagnes. Elles ont dit qu'il se comportait bizarrement. Bah tiens, en même temps, il pétait de pouvoir. C'est étrange. Il y a quelque chose qui brouille le signal. Je vais essayer de passer ouais, en direct. Et les Dolia qui commencent à s'agiter, j'ai l'impression. Il était avec vous. Il est à Amnoun, parti récupérer ses gains. Il veut jouer à qui tout double sur vous contre Kralkatorik. Allez, ça paraît sur mon dos. Est-ce qu'on sait ce qu'on va faire quand on se retrouvera en face de notre monstre violet? J'espère que Taimi trouvera une solution. Et si c'est pas le cas? Commandant, Ridlock, venez vite! Il
Il y a un truc qui se prépare. J'ai fini par trouver ce qui causait les interférences. Une stigma tempête, ici. Je vois pourtant aucune trace de Kralkatorik. Si Kralkatorik était là, nous serions des cristaux sur pattes à l'heure qu'il est. On dirait que Kralkatorik a appris quelques nouveaux tours. C'est pour ça que j'ai apporté Pitou. Je pense qu'il va être là. Je vais l'envoyer faire une analyse. Ça me va. Ritlock et moi allons sur place jeter un œil. Moi je pense qu'il va pas être trop loin, C'est bien ce que je craignais. On ne vient que d'offrir à un dragon ancestral l'énergie d'un dieu, après tout. Franchement, on n'a pas de raison de s'en faire, hein. Non, pas du tout. Sauvez-vous. Fuyez, pauvre fou. Ces gens sont enfermés dans le cristal. Allez bien sortir. Bon sang. Ah. Oups. Je les ai tués. Ça les transforme, my god. Ça transforme les gens piégés dans le cristal en... Nous devons sauver ces gens. My god. Oh, avoir des succès sur ça. Dites-moi que je ne viens pas de voir un dragon combattre un autre dragon. C'est l'impression. Qu'est-ce que c'était ? Oren ? Je sais pas, j'ai pas vu l'action. Il n'y a plus rien à faire ici. Honte ! Personne se cache. Je pense que ça sera encore des nouveaux membres à tuer dans les succès. Attention quoi. Oula. Oh non, je déteste les élémentaires. Donc, ils ont l'air d'être en carton. Quoique même les mobs ont l'air d'être en carton. On va essayer de suivre le chemin quand même. Putain, je vois pas l'action dans le ciel. Regroupez votre escouade et rejoignez la porte du sud. Mais tu es sûr, il y a 6 mètres à temps pour le sauver, c'est qu'il doit y avoir un truc là. Bah tiens. Bizarrement. Qu'est-ce que je disais? Je sais pas ce que c'est. Bah si, il y a l'escouade en bas. Sauver 46 vues de chiffres indique le nombre restant. Ne jamais vous faire frapper par un éclat de tempête. Lol. Oh. En parlant du loup. Ouais, j'ai l'impression d'être vachement visé quand même. Dans la ville. On aurait bien récupéré un peu de vie, s'il vous plaît.
Cavalier, Amnoun a besoin de vous. Mettez les civils en sécurité. Vous avez entendu le commandant? On emmène ces gens avec nous. Oren, ouvrez les portes. Putain, je regarde jamais le ciel. Je vous expliquerai plus tard, faites-le. C'est mon ami. Ah, tu vois, salut Kanak. Vous en avez mis. Jure. Je ne suis plus de première jeunesse. Ah, c'est lieutenant stigmatisé, sont en train d'éveiller des morts. J'espère. Groupe opérative enclenchée. Ouais. Des énormes cristaux sur les murs. Je crois qu'ils soient les stigmatisés. Alors, attends les cristaux. Des cristaux sur les murs. Ah. Prendre mes distances quand même, au cas où. On les pète aussi. Ah là, il mourrait là, c'est pas chier. Truc qui se heal quoi. Mais comment il perd son coup quoi. Mais comment le dégager là. Problème. Pas du tout. Comment on le sort de là. Est-ce que je peux aller dedans. Pas du tout. Je vais embrasser. Comment les détruire. Détruisez les lieutenants stigmatisés par la mort. Bah je veux bien, mais les tu comment. Oh, une capitaine à aider. Je pense pas que c'est un seul moment pour demander la situation. Un cristal semble plus proche. Qu'est-ce que c'est derrière? Ça n'a pas l'air. Cristal. En fait c'est ça, faut que je détruise un cristal pour les tuer quoi. On va rester là. Je sais pas où est-ce qu'il est spécial. Ah, pourtant, je suis pas bugué, wesh. Mais attends, vu l'espèce, on voit rien.
pas de cristal. C'est ça. Pas du tout. Attends, mais... J'ai votre cristal, mon... Alors, on en a moins un en moins. Alors, comment j'ai fait, je ne sais pas. Je l'ai fait. Ils sont pas en haut là. Parce que je vois pas à quoi ça ressemble. Je vais check en haut. Hello. Ah, cristal. Oh, Ren, je t'ai vu. Ah bah non, c'est pas bon. Ok, donc il y a bien des cristaux, mais il faut les trouver. Ils sont planqués leur tête. Pour l'autre, je vais aller en face pour voir. Laissez-moi passer. Oh yo. C'est sérieux quoi. Le pire c'est que faut pas que je me fasse toucher par un... Voilà. Bon, y a un peu d'aide. En 12 minutes. Je crois que c'est mort.
Bah sans connaître les positions, c'est chaud au début. Éradiquer les stigmatisés. Il s'agit de la démocratie. Il semblerait qu'ils ne soient pas plus prêts. Je déteste avoir à tuer des gens. Mais bon, et nous. C'est pas grave. De toute façon, oh. De toute façon, je referai des succès. Hein. Bonhomme de neige. Il voudra savoir ce que son adjoint est devenu. Des renforts, ici. Let's go. Ah, ils sont dessus. Ils sont montés, wesh. Ah, mais c'est vraiment un contre l'autre. C'est moi ou les PNJ me suivent pas. Je peux pas tout seul. Et je vais tomber. Lol. Gridlock est là mais je vois que ses armes. Ah bah moi même ça. Je sais. Ici on remarque quelque chose. Hop. 10 secondes, ouais voilà. Je pense que c'est mort. C'est pas grave, de toute façon, je farmerai pour les succès. Ok. Ça c'est fait. Oui, on approche. Une give. Ah. Pourquoi je vois plus ses armes, Marie-Toc. Oh, t'es sérieux? Are you serious, man? What the fuck? Allez, ça va à quelque chose, raisez-moi là. Il y a 45 ans le tueur. Le tarif, hein. Je manque d'endurance. Tu lui as vraiment fait mal. Regardez. Ouais, bah, ce serait là que vous m'aidiez, peut-être, non?
Putain, vous êtes trop fausse, quoi. Pourquoi c'est invisible? Je suis un peu stun. Quoi, la récupère toute sa vie, quoi. C'est chaud, hein. Allez, lâchez-moi là. Je peux rien faire. Allez, putain, j'ai eu peur. Oh putain, c'est sérieux. Ils ont quand même mis le niveau assez haut là pour du solo. Hein. Allez, tombe à 50. Voilà. Elles sont relou à stun, hein. Puis ça va rien. Je suis sûr qu'ils attaquent même pas. J'ai pas fait attention, mais je suis sûr qu'ils attaquent même pas. Et allez. Pas sous l'antenne par contre. Hein. Ils attaquent même pas les autres. Oh, comment il t'arrive, hein. Putain. Putain, je sais pas si c'est Oren qui a mis tarif, mais putain. Ah non, c'est bon. Rappelez-moi de ne jamais construire ma résidence. Ça c'est pas ouvrant, ça. Merci. Je voulais dire, test en conditions réelles des nouvelles améliorations de Peter réussi. Et regardez, j'ai amené l'agent Quito. Commandant,
Si les sbires de Krakatorik ont le pouvoir je crois qu'il y a un de stigmatiser leurs victimes sans que lui soit là, on va avoir un sérieux problème. Il va falloir que les alliés d'ici l'arrêtent. Nous ne pouvons pas voler une deuxième fois l'armée de Joko. En Thierry, il aurait été facile de recruter. Mais à Elona... Oh, Oren. Oh. Oren, on t'a cherché partout. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu aurais pu te faire tuer. Je sais pas qui c'était, mais ça présage rien de bon. Du compost. Dites-moi que vous avez tous vu ça. Je ne suis pas la seule, hein? Ah tiens, d'ailleurs, il n'y a pas de nouvelles surprises. Je ne comprends pas. C'était... Qu'est-ce que c'était? Ça n'est pas bon signe. Champion des cristaux. C'est gris. Le reste, je ne sais pas. Mais la ville ressemblait beaucoup à Faranur. Là, voilà. Ah, les jeunes. Attends, y a un truc là. Ils grandissent à une vitesse. Oh, c'est... C'est le mec de tout à l'heure, quoi. Non, pas ça. Non, pas ça non plus. C'est les mêmes. Faranur, vous connaissez cet endroit, Kito. Vous pouvez nous y emmener? Je connais tous les endroits du monde. Mais personne ne peut ou ne veut entrer à Faranur. Elle est infestée. Mais oh, en... pas peur. Eh bien, il paraît que les lanciers du soleil connaissent un moyen d'entrer. Et si vous avez besoin d'alliés locaux, adressez-vous à eux pour commencer. Très bien. Les lanciers du soleil, où pouvons-nous les trouver? Il se cache quelque part à l'Astralarium d'Istan, je crois. L'archiviste en chef en sait peut-être plus. Comme ils ne sont plus très nombreux et que Joko s'acharne à vouloir les éliminer, ils vivent dans la clandestinité. Ah, peu importe. Istan, vous dites. Ritlock, vous restez ici avec Kanak et vous vous occupez des créatures stigmatisées. Taimi? Il y a suffisamment de morceaux de Kralkator au nez pour nous occuper pendant plusieurs jours avec Piteux. Pour plus de sécurité, nous ferions mieux de nous séparer. Je pars devant. Jonix sur les quais vous aidera pour la traversée. Retrouvons-nous à Istan. Ok, je vais aller voir du coup pour la traversée. Peut-être qu'il y aura une petite vidéo sympatoche. Ouais, des succès. Quittons. Du coup, bah, je pense que on va aller voir ce qu'il y a. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On va voir s'il y a la petite vidéo comme dans le début de Pass of Fire. Quoi que ça débarquait aussi sur une mission, donc je sais pas en fait si je vais le faire. Je pense qu'on va s'arrêter là juste devant et on reprendra là la fois prochaine. Ce sera peut-être plus simple. Enfin bref, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à checker en outro. Et en description, un lien vers GamesPlanet et ArenaNet si le jeu vous intéresse. Donc, dans les deux cas, vous pouvez acheter le jeu, les extensions ou le pack, avec tout compris, hein, à vous de voir. En tout cas, tout est dispo en description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, rejoindre la chaîne, le Facebook, le Twitter, tous les liens sont en description. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. À bientôt!